Coucou tout le monde, ou re-coucou si vous venez de voir la vidéo partenariat que je viens de publier juste avant celle-ci. Donc on se retrouve comme promis pour le premier tuto de ce partenariat avec Cocorosa Studio et je vous propose donc de réaliser une petite carte avec deux des dies que j'ai choisis, une carte d'anniversaire. Allez c'est parti, je vous laisse tout de suite en images et en musique et on se retrouve à la fin. A tout à l'heure.
Et bien voilà, la première carte de ce tuto partenariat est terminée. Je vous montre tout de suite la seconde carte que j'ai réalisée hors caméra avec les négatifs de la découpe Happy Birthday. Alors pas grand chose de compliqué, hein. J'ai embossé un papier noir avec un classeur d'embossage. J'ai découpé, j'ai tamponné des ballons dans mes papiers d'essai de couleur que vous n'avez pas vu, hein, mais je prépare toujours un petit peu avant. Donc voilà, j'ai collé les ballons en épaisseur et puis j'ai rajouté quelques petites étoiles qui viennent du die aussi que j'ai utilisé pour la première carte, mais que j'ai découpé dans une autre couleur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces cartes. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Je vous dis à dimanche prochain pour la seconde vidéo tuto partenariat avec Coco Rosa Studio. Et d'ici là, prenez soin de vous et scrapez bien. Bye bye !